Salut tout le monde et bienvenue sur MGaming. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 5 de Naissance. Donc la dernière fois on s'était laissé ici devant cette petite sculpture assez énigmatique, on va dire. Donc bah on va avancer, on va voir, hein. Je sais pas pourquoi, ça sent le troll, hein. Je me dis qu'on va bien se... Ah, il y en a plusieurs, d'accord, ok. Je me dis qu'on va bien se faire attraper par quelque chose, hein, au bout d'un moment. J'avouerai que j'aimerais bien que l'histoire progresse un petit peu, là, parce que, bon, bah, on avance, mais... on n'en sait toujours rien, on essaie juste de fuir. Je regarde un petit peu ce qui se passe. La musique est toujours aussi prenante. Je vais éviter de courir, je vais laisser un petit peu reprendre ses esprits à la petite demoiselle. Ça souvent ça lance des trucs, alors je sais pas. Non, là ça ne fait rien. Alors, voyons voir. Déjà on va profiter un petit peu du panorama. Qui est plutôt sympa. Là, je me dis si chaud je vais mourir, hein, tant de chance. Alors, regardons peu, mais regardons bien. On va aller voir par là-bas. Donc on est reparti pour une petite session d'une vingtaine de minutes, hein, un truc comme ça. Jusqu'à ce que je vois si ça progresse ou pas. Tout simplement. La musique est toujours aussi forte, je remplace mon casque comme à mon habitude. On change pas une équipe qui gagne. Ah oui, je pense qu'il va falloir aller là-bas. Je sais pas si vous avez vu, il y a une petite lumière derrière. Vous allez jeter un œil. C'est plutôt encore énigmatique, hein. On est encore au courant de rien, on sait pas ce qui se passe. Je suis en train d'asphyxier Lucie. La pauvre, avec quoi, elle a un peu de mal. Ah d'accord, donc je peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Alors, allez, il y a des escaliers. Ok, donc peut-être qu'on va essayer de grimper par là-bas. J'en sais trop rien, les amis, j'en sais trop rien. Donc c'est encore super sombre, hein. Je suis désolé pour ça. Là, je peux pas monter là non plus. Là non plus. Là, là. Je pense à respirer ma petite Lucie. Donc là on arrive de par là, hein. Ça on est d'accord. Ah voilà. Ok. Donc là, ça progresse. Enfin, j'ose imaginer que ça progresse. Ah, voilà, donc un escalier là. Alors je sprint, hein, j'oublie pas de la faire respirer en cliquant sur le clic gauche de la souris. Au bon moment, voilà, et là, là on voit qu'elle s'asphyxie un petit peu la petite mère, on va éviter de la tuer. Alors... encore un escalier là, ok, on va aller voir. Hein. On va aller voir ça. Ah oui, toujours, on a toujours pas eu de nouvelles du petit monstre qui nous a poursuivi au début, hein, pas petit monstre. De sorte de je sais pas, de tornade de pixels là, toujours pas vu. Ah, il y a un truc qui bouge là-bas, ça m'a fait flipper. Ça m'a fait flipper, 5 minutes. Alors bah attendez, bon, on va aller voir ce que c'est, hein. On va aller voir ce que c'est. Oh, on est vite en train de se casser une jambe. Ouais, voilà, bon, c'est le fail début de partie. Alors, voilà. Voilà, ok, d'accord. Faire attention, pardon, il faut que je passe par en haut. On n'oublie pas de la faire respirer, la petite mère. Alors. Ah d'accord, d'accord, c'est par là. Alors c'est toujours un labyrinthique, hein, faut bien ouvrir son œil pour trouver le chemin, hein, ça c'est. C'est la base du jeu, j'ai envie de vous dire. Ah bah non, mais je peux pas. Ah si là. Ah là. Vous voyez, c'est tellement sombre qu'on distingue pas tout de suite les chemins, hein, donc. Le bruit que ça fait, c'est là. Alors. Y voir. Ah, ça sent l'énigme. Ça sent l'énigme. Si je l'écarte ou quoi. C'est aussi simple que ça, vous pensez? J'écarte les deux, forcément, on va faire tout le trajet maintenant. Ouais, bon, ça va. On a vu plus dur. Alors, on n'est pas dans The Mist non plus, hein. On attend qu'ils reviennent. De toute façon, je vais passer à travers quand je me saute dessus. Non, c'est bon. Bon, bah voilà, bah petite énigme, là, voilà. Tranquille, hein, j'aime bien quand ça se passe comme ça aussi. Là, c'est cool. Ça sent le Trafalgar. Ça sent le coup de. Ah là là, ça pue le labyrinthe sur le site d'espace. Alors. Là, je peux pas y aller. Là non plus. Bon, ça va, comme ça. Ça a l'air de pas trop mal se. S'annoncer. Alors j'espère que, par contre, je m'aperçois, c'est vrai que je mets des coups de souris assez vite, hein, pour regarder. J'espère que ça vous gêne pas trop non plus. Que ça vous perturbe pas trop. J'ai essayé de remettre un petit peu à ça.
Alors. Merde, il y aura un escalier là quand même. Non, on peut pas aller jusqu'au bout, hein, ça sert à rien. Bon, alors hop, on va aller par là. Ah, les petits sons inquiétants aussi, on sait pas trop ce que c'est. Bon, avec mon petit cœur sensible. D'accord, on se retrouve là. Bon, bah, on va aller voir, hein, de toute façon. Sûrement qu'il va falloir que je fasse du backup. Alors. Ah, c'est toujours aussi angoissant, hein. Comme milieu, c'est vrai que quand on est plongé dedans avec le casque. D'accord, donc là, je me suis fait troll. Alors, je pense bien m'approcher de ces cubes là, parce que des fois ça active des choses. Hein. Je pense que vous aviez bien compris ça. Donc, bon, bah, je perds un petit peu de temps à aller voir. C'était pas le bon chemin. Par là. Ah bah c'est mon chemin inverse, ok. On va aller voir là-haut vite fait. On va aller voir là-haut vite fait. Ça sent le gros labyrinthe de l'espace. Je progresse doucement parce que je sens bien que je vais me faire attaquer par un truc qui va me faire caca dessus. Est-ce que je suis en train de retourner en arrière? Est-ce que je suis en train de me faufiler dans un truc qui me sert à Walou? Alors l'image est un peu floue, j'ai un petit peu des bugs d'affichage. Pas très très gênant, vous me direz, hein. Bon, je sais que je suis arrivé là. Oh, en fait, je suis revenu au point de départ, j'ai l'impression, non? Ah non, pas tout à fait. Ah si, ici. Ok, bon. Vous entendez la musique qui s'excite un peu là? J'ai peur, messieurs. Je suis en train de me paumer, mais alors. Une violence. Alors, vous croyez que j'aille... on va pas sauter, hein. J'ai pas envie de prendre des risques. Okay. Là. Ça me fait flipper ces sons, vous vous rendez pas compte. Alors, j'ai bien l'impression que je suis en train de me paumer, hein. Ouais, je suis en train de revenir en arrière. Okay. Tout se ressemble, on a l'impression de progresser, mais en fait on progresse pas du tout du tout. La vidéo a été regardée. Bon, là-haut, ça va me ramener nulle part. Attends, je regarde un petit peu ce qui se passe. Vous voyez les cubes qui sortent là? Je serais bien tenté d'aller marcher dessus. Je serais bien tenté d'aller marcher dessus, mais je pense qu'il faudrait peut-être que j'active quelque chose avant, non? Vous en pensez quoi, vous? Hein? Vous en pensez quoi? Peut-être pas grand chose, hein, vous allez me dire. Peut-être pas grand chose. Allez, on va tenter. Je suis sûr qu'il y a un délire du genre. On va pas me la faire, moi. Ouais, par contre, je vais pas pouvoir aller bien plus loin, c'est ça le délire. Vous voyez? Alors, je pense que les cubes devraient sortir. Ah bah, si, regardez. Putain, mais je suis un PGM. Enfin, je vais essayer de pas me lose. C'est ça aussi, c'est... Je suis peut-être un PGM dans la déduction, mais je suis aussi un... Voilà, la musique qui s'excite, je suis en train de me faire... Caca dessus, les amis! Oh là là... Comment ça peut vous mettre des trissons dans le dos, la musique et tout, on s'attend à se faire attaquer, on s'attend à plein de choses, et en fait, y a rien. Voilà. Je regarde un peu l'heure, c'est à peu près 6 minutes, 7 minutes peut-être qu'on est ensemble. J'essaie de pas trop vous faire des épisodes trop longs pour que vous puissiez en profiter. J'essaie de progresser un maximum aussi à chaque fois, hein, bien évidemment. Que ça soit pas trop long. Toujours hein, le même principe, hein, si vraiment je galère de trop, il y aura des ellipses, il y aura des trucs du genre. Pour l'instant, ça a l'air d'y aller. Vous voyez, hein, l'escalier, dès le début, j'aurais dû le prendre. Hein. Je savais bien qu'il y avait un délire avec ça, j'ai pas osé. Mais... Je savais bien qu'il y avait un truc. Je pensais pas que ça allait... Voilà. Ça allait sortir tout de suite. Je vais me faire pécho par un truc tout à l'heure, mais... De la violence. Alors là, je monte. Hein. J'aurais pu descendre, comme vous avez vu. Bon, je préfère monter. Hein. Ouais.
Quelle ambiance, mais quelle ambiance! J'en ai des frissons, les gars. J'en ai des frissons parce que je suis vraiment imprégné du jeu. Et le moindre petit son, on est. Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous savez quoi? Hein, on va à Lloyd, hein, parce que là. Là, je vous avouerai, je sais pas du tout dans quoi je me suis aventuré. Hein, donc, petit retour en arrière. Hein, je pense que ça a dû planter, je sais pas, c'est un peu chelou. Hein, bon, je pense que j'aurais fait une ellipse, mais je me suis tapé des escaliers en boucle, en boucle et en boucle. Alors, j'ai préféré reprendre la dernière sauvegarde, hein, les gars. Parce que. Bah, tout simplement parce que voilà. Je pense que je vous mettrai un petit voilà un petit truc pour que vous puissiez voir un petit peu l'idée. J'ai des problèmes graphiques, hein, attendez, je regarde, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, non, en ce moment, je sais pas pourquoi. Alors du coup je me suis enfermé dans un truc de l'espace. Ah d'accord, on se retrouve là. Bon. On va recommencer. Ça c'est fail. Voilà. Voilà, comme ça ressort, ok. Tant veut dire que voilà, après je vais vous montrer, mais j'ai progressé dans un truc et je me suis retrouvé bloqué dans un escalier de l'espace. Comme je vous ai dit, j'ai préféré relancer la dernière sauvegarde parce que bah, les escaliers s'enchaînaient indéfiniment. Hein, ça a pas arrêté j'ai pas, soit j'arrêtais pas de monter, soit j'ai voulu redescendre et bah pareillement ça. N'arrêtez pas, donc voilà, autant vous dire que bah j'étais un peu perdu là, hein, dans le néant. Hein, ça m'a fait un peu bugger d'ailleurs. Ah, attendez, hop là, je vais le prendre dans le néant. Ah, d'accord, ça. Je ne sais plus. Voilà, je suis allé là. Moi, je suis allé là. Je suis allé par là. Ok. Ensuite, voilà, c'est ces escaliers-là, vous voyez? Là, je suis monté. Moi, je suis monté et je suis monté pendant au moins 3-4 minutes. Et j'avais tout le temps la même chose. Donc, 1, 2. Ça va pas être par là. Ah, vous voyez, ça a fermé la porte. En fait, on se fait troller ici, on se fait troller. Ah ouais, on se fait troller, on se fait troller là. C'est un piège, c'est un piège. Enfin, je pense que c'est un piège. Donc, je relance la dernière sauvegarde encore une fois. Vous avez vu, hein, parce que j'aurais dû retrouver la porte et la porte était fermée. Donc, voilà, ça bug un petit peu, pardon. Donc là, il y a vraiment du troll là. Il y a vraiment du troll là. Là. Donc, on va pas y aller par là, vous savez quoi? On va pas y retourner. On va recommencer ça, bien sûr, hein, parce que bon, je suis obligé. Un petit énigme de l'espace. En fait, on était dans un bug de matrice, hein, en gros, c'est ça, la matrice nous a fait bugger. Plutôt gentiment. C'est un piège à con. Je pense que ça a rien à voir avec le jeu. C'est un piège à con. Hein, c'est une technique pour nous embrouiller. Donc, on va essayer de trouver un autre chemin. Voilà, je casse pas la gueule. Voilà, bon. Alors, on reprend. Voilà. Alors peut-être épisode un petit peu plus long, hein. Je tiens à vous prévenir. Peut-être un petit poil plus long. Donc là, d'accord. Après, d'accord. Je sais plus. Je sais plus du tout. En fait, du coup, ça m'embrouille. Voilà. Non, moi je suis allé là. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Je veux aller. Ah, voilà. Vous voyez, c'était un piège à con, un piège à con, tout simplement. Ah, si je descends, je meurs. Remarquez, il y a la sphère. Quelle ambiance de dingue. D'accord. Ah, le vieux piège de l'escalier de l'infini. Franchement, bien vu. Bien vu, bien vu. Je sais pas si on peut passer un sacré moment à chercher. Mais non, je suis tout ouvert. Passer la première fois, pas écrit. On essaie d'en suivre notre ami la sphère là qui nous indique un petit peu le chemin, donc attention.
Quelle ambiance! Quelle ambiance! Ah, puis j'ai des bugs d'affichage, hein. Je sais pas si vous voyez, des fois on a l'impression que les portes sont ouvertes. Là, ça va être fermé, évidemment. Voilà, hop, ok. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Non, j'ai bien envie de sauter par la fenêtre. Oh, voilà. Excuse-moi ma petite Lulu, excuse-moi. Je ne suis pas tendre avec toi, ma petite mère. Alors ça c'est un cube qui active les trucs ça. Ouais, ma bite. Ma bite. Hop là. C'est la loose. D'accord. Ça pue l'énigme. Ça m'étonne bien. Donc ça se dépasse comme ça. Ouais. Ah, attendez, je pense. Ah là là, monte sur l'escalier, ma petite Lulu, s'il te plaît. Ça fait bien ouvrir son œil un petit peu partout. Non, ça c'est bien rien. Ça c'est bien rien. Ça va faire quoi ça? Un instant de réflexion, D'accord, j'avais pas vu. Attends pour moi. Ouais, ça m'a rien donné. Je monte là-haut, je pense. Je prends un moyen de monter là-haut. Ah! Excellent. Ah, excellent. Ah, excellent. J'ai trouvé pur hasard, hein. Voilà. En fait, faut juste trouver les sphères, elles font toute seule. Après, faut bien ouvrir son œil, hein. En gros, c'est ça. Combien de temps, là? Je pense qu'on va pas être trop mal, hein. On va attendre le prochain point de sauvegarde, ça serait cool. Pfff, comment c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Je fais un tour vite fait, hein. Je regarde. La pièce après, j'ai envie de dire. Ouais, écoute, on va aller par là. Écoutez, hein, on va aller bien là où c'est sombre. Oh, on va arrêter d'asphyxier la petite merde. Alors, oh, voilà, j'ai trouvé un coup de la museau en l'air. Ouais, je vais tenter de descendre. Ouais. Je vais tenter de descendre. Descendre, aller voir ce qui se passe un petit peu par là-bas. Je suis attiré par les petites portes, moi. Vous voyez là-bas, au milieu de l'écran, hein, ça m'attire. Ah, attendez, mais on est revenu. Ok, d'accord, on est juste monté. Okay. Là, c'est le, on a commencé par là-bas, nous, tout à l'heure. Là, on continue de piller, je pense, quelque chose comme ça. Alors, donc ouais, une vidéo peut-être un petit peu plus longue que la normale, hein, sinon j'aurais pas mal galéré. Je vais essayer quand même de faire des petites coupures de manière à que vous preniez pas trop la tête. Bon, jusque là rien de bien compliqué, hein, on est d'accord, je pense là-dessus. Bon, on a vu des énigmes nettement plus dures.
Je pense que la deuxième énigme était la plus dure hein, pour le moment, parce qu'il fallait bien voir le petit cube là qui était caché. Hein. Je vous invite à aller voir l'épisode 2 si vous l'avez pas vu. Il y avait un petit cube de caché là, oui, j'ai vraiment mis longtemps avant de le trouver celui-là. Non, rien. Je sais pas pourquoi je perds mon temps toujours à aller voir les endroits où il y a rien. Alors. Bon, on va progresser, on va continuer, de toute façon, on avance. On avance. C'est au moins ce mérite-là. Alors. Peut-être, trouve ton chemin, trouve ton chemin. Alors. Ah, je suis super concentré, hein. C'est vrai que c'est un épisode un petit peu plus long que d'habitude, hein. Je dis un peu moins de conneries. Je suis un peu plus concentré dans mon truc, là. Ah, mais ça pue la merde, là. Ah, ça pue la merde. Ah, bah ouais! Ah, non, ouais, si, peut-être. Ah, bah non, je pouvais pas trouver ça. Vous voyez, est-ce que là, il y a des gros cubes là-bas qui m'attirent vraiment pas mal? Qui m'attirent vraiment pas mal. Là, je vais me retrouver coincé aussi. Non, c'est un escalier? Non, c'est une porte. Ouais, c'est une porte. Ah, peut-être. Ah non, c'est un escalier! Putain, de loin, fallait le voir. J'étais pas sûr. J'étais pas sûr. D'accord, je vais me refaire monter là. C'est mon but. Pense à respirer. Je jette un petit coup d'œil, t'as vu? Hop là, tombe pas. Ah, ouais, on va aller par là. Alors, je navigue, hein. Je me suis pas entraîné avant, hein. J'ai pas pris d'avance, je fais vraiment live avec vous. C'est pour ça que je me fail, hein. Je trouve certainement le chemin, mais. Y a aucun trucage, hein, comme d'habitude, hein, c'est M-Gaming, c'est du live, c'est du noobisme, à l'état pur, je veux dire. Donc voilà. Alors. En tout cas, ça progresse. Voilà, je pense que j'ai éclaté mon quota de minutes. Voilà. Non. Non! Mais non! Fais chier, toi! Ouais, faut sprinter. Ok. Pourquoi je suis en train de m'enfiler là, les gars? J'ai peur. Ouais, un petit point de sauvegarde là, ça serait cool. Ah, bah cinématique, je pense, non? Qu'est-ce qui va se passer? Non? Ah, bah point de sauvegarde. Bon, bah écoutez. Oh. Voilà, ça se regarde bien, comme ça on est sûr. Wash compression. Éviter la compression, je pense, ça doit être un truc comme ça, ou je sais pas, enfin j'ai un anglais de merde. Enfin bon, voilà, donc c'est, on va se quitter là pour l'épisode 5 de naissance sur la chaîne M-Gaming. Donc voilà, bah, nouvel petit épisode un petit peu du fail, il y aura quelques montages, bien sûr. Avec l'escalier du troll, hein, l'escalier du trollolo, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, même si on y est quand même très très peu, hein, c'est assez vache, mais bon, c'est pas très grave. Donc je vous invite aussi à aller regarder les autres épisodes de même des autres séries que je fais pour vous avec beaucoup de plaisir, et on se retrouve bientôt pour la suite et pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde et prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde.